Jean-Pierre Pernaut répond aux critiques de Laurent Baffy, on n'est pas facho parce qu'on aime les régions. Jean-Pierre Pernaut a répondu aux propos tenus, il y a un an par Laurent Baffy à son encontre. L'humoriste avait traité le présentateur du 13h de TF1 de réac, de bofé de facho sur le plateau de TPMP. 30 ans de présentation au JT du 13h de TF1, ça se fête. Jean-Pierre Pernaut célébrera cet anniversaire particulier jeudi 22 février. Mais avant cela, le journaliste est revenu sur sa carrière au micro d'Europe 1 ce mercredi 21 février, et a tenu à réagir à certaines polémiques et critiques qui lui ont été faites par le passé. Le présentateur a réagi aux propos de Laurent Baffy, tenu il y a un an sur le plateau de TPMP. L'animateur humoriste avait violemment attaqué Jean-Pierre Pernaut en le traitant de réac, beauf et facho, alors que les chroniqueurs de l'émission devaient donner leur avis sur le présentateur du JT, et s'il devait être remplacé par un journaliste plus jeune. L'animateur vedette du 13h, n'a donc pas manqué de répondre en déclarant que l'on n'est pas facho parce qu'on aime les régions. Ce sont des gens qui n'y connaissent rien à l'histoire. Ils sont tout partis, tant pis pour eux. La ligne éditoriale du 13h de TF1 a été de nombreuses fois critiquée, notamment pour être trop axée sur ce qu'il se passe en France, et pas assez sur l'actualité à l'étranger. J'essaie de faire mon boulot d'abord, a déclaré Jean-Pierre Pernaut. Pour l'instant, mon boulot, c'est dans les jours qui viennent d'essayer de faire un bon journal, c'est de préparer notre concours du plus beau marché de France. Mais le présentateur ne semble pas se laisser abattre par les critiques, j'essaie de me blinder. C'est normal qu'il y ait des critiques. S'il n'y en avait pas, on ferait 100% de part d'audience, pas 45%.